Bon, ben bonjour à tous. Ben on est là pour le 7e Hello Talk, pour vous parler de retour d'expérience en fait sur l'architecture d'une application full API et orientée microservices autour du projet Club App. Donc voilà, on va vous la présenter à deux. Yves qui est là, qui interviendra en deuxième partie de présentation, qui est le lead dev et toute la partie DevOps du projet. Et moi-même, Xavier Gorce, qui suis le CTO du projet et qui est aussi un des fondateurs de l'agence là-haut. Alors, le but, ce n'est pas du tout de faire un cours théorique sur qu'est-ce qu'est le microservice et tout ça. Il y a beaucoup de littérature sur le sujet. C'est un sujet qui est un peu trendy en ce moment. C'est vrai qu'on entend un peu parler de partout. Je vous laisse vraiment, si vous voulez avoir plus de littérature, aller regarder ce que fait Martin Fowler. Qui a quand même beaucoup, qui a recensé un peu tous les articles et qui a beaucoup écrit sur le sujet. On va juste présenter les grandes lignes de l'approche microservice et surtout après on va faire le tour de comment on en est arrivé là, le retour d'expérience et un peu le feedback qu'on a eu autour du projet. Donc, pardon. Là, ce qu'on voit schématisé là, c'est plus des applications telles qu'on en voit encore un petit peu, telles qu'on en a vu beaucoup il y a un moment, la bonne stack monolithique où on a un code base, une application qui regroupe à la fois tout ce qui est connecteur à tous les data stores possibles de l'application, tout le fonctionnel qui est regroupé au sein d'un et même projet, au sein d'un et même code base. Une des problématiques qu'on est confronté quand on a envie de scaler un peu ce type d'architecture, c'est qu'on est obligé de scaler et de dupliquer la brique complète qui pose différents problèmes, notamment sur les différents scénarios de scalabilité, soit horizontal, soit vertical, qui peuvent être amenés. Surtout qu'on est obligé à chaque fois de dupliquer et de scaler finalement plus ou moins tous ces éléments ensemble. Une approche microservice va être vraiment, on va changer de paradigme, on va essayer d'isoler un maximum fonctionnellement et donc naturellement, technologiquement et sur toute la stack. Les services fonctionnellement. C'est-à-dire qu'on va essayer d'isoler, on va prendre un service, on va prendre sa brique à lui, qui va nous permettre après, dans des scénarios de scalabilité ou d'architecture, de pouvoir agencer finalement ces services comme on en a besoin, comme on le souhaite, et de pouvoir scaler ses besoins en fonction même de la brique, de sa techno, de son architecture, de son besoin, sans impacter les autres. Alors, juste pour revenir, on a essayé de recenser, on va passer rapidement, les différents services qu'on a sur ClubUp, c'est les principaux, et les différents, ça c'est le socle applicatif, et les différentes technos de Data Store qu'il y a derrière. On ne va pas tous les détailler, celle-là c'est la principale, c'est le cœur des applications, c'est celle qui fournit les clubs. Après on a une brique de recherche, ça c'est pour gérer les images, ça c'est pour gérer tout l'enregistrement. Ça c'est ce qu'on a à date. Sur le projet, ça a évolué. Il y en a certaines qui ont évolué de techno et de data store. On y reviendra un petit peu après. Autour de ces services-là, on a les applications qui les consomment, ces services-là. Là, c'est les différentes applis. On a l'appli web front qui fait sous Backbone. On a les deux devices mobiles qui attaquent aussi l'application. Et ensuite, on a des petites applications qui ont été faites après. Mirador, c'est notre application de gestion, de back-office plus ou moins, qu'on a du projet. Et après, des petites applications qui se sont greffées à exploiter les API, exploiter les services, mais qui ont été faites sur de techno, à des fins plus internes au début, pour pouvoir utiliser et les exploiter. Et on voit qu'on a différentes techno au final derrière. Pourquoi on est parti sur ce type d'architecture? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a commencé à designer ça, on n'a pas dit, allez, on fait du microservice. Le nom de microservice est arrivé un peu après, en regardant, en tombant dessus, on s'est rendu compte qu'on était parti naturellement sur cette approche-là. On a hérité d'une application qui avait monolithique, qui avait plus de 60 bundles à l'intérieur, qui était fortement couplée, qui adressait déjà plusieurs data stores différents. Qui avait une complexité et un couplage, même si c'était une appli SF2 qui avait été un peu duplée, mais qui avait les problématiques classiques d'une application monolithique. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que y a le mobile qui arrive dans l'équation. Mobile est arrivé dans l'équation, le besoin d'appli mobile est arrivé, et là, naturellement, il faut faire des API.
C'est le seul moyen de consommer la vie derrière. Et ce qui fait que naturellement, on est arrivé sur une refonte du fonctionnel, et ben naturellement, on est arrivé à dire, ben, on a les API, on ne va pas non plus avoir de paradigme de développement, d'avoir à côté de l'application classique qui génère du contrôleur et du HTML. Donc on est parti sur une application Vue.js qui exploitait les mêmes API derrière. Et au final, ce qui nous a amené aussi à pouvoir gérer l'équipe qui était light, de pouvoir vraiment gérer les deux profils, la partie dev front et la partie back-end, chacun ayant son propre scope de compétences, de responsabilités, et ça a permis vraiment d'avoir une souplesse pour gérer ça, et aussi la partie mobile. Tu as pu rajouter mobile derrière. C'est à toi. Oui. Bah, bonjour. Je vais essayer de vous présenter un petit peu les différents points techniques qui englobent tout ce qu'il y avait au microservice. Donc, l'une des premières questions qu'on s'est posée quand on a mis en place cette archi, c'est le côté communication. Comment toutes nos briques vont communiquer, comment on va mettre ça en place. Donc, il y a pas mal de pistes, c'est pas la seule piste possible, mais on a décidé de faire ce choix, c'est de partir sur HTTP. Donc, pourquoi HTTP? Parce que HTTP est universel, aussi bien au niveau infra que back que front, que même limite projet, tout le monde connaît HTTP. On est parti un petit peu sur ce qui se fait actuellement dans un petit peu tous les domaines, c'est API, API full REST avec seulement du JSON, on n'a pas d'autres représentations au niveau des ressources. Ça permet, on a essayé de designer les API pour qu'elles soient simples, on est resté sur le schéma vraiment des ressources simples avec des opérations unitaires dessus, et la complexité n'est pas au niveau de l'API mais au niveau de la conception en amont. Après on avait deux problématiques, c'est comment on attaque directement ces briques. Ok, elles sont explosées d'un point de vue API REST, on a des endpoints, mais on avait deux choix. Est-ce qu'on fait de la consommation directe? Par là, au sein d'une même ressource API, on a des liens qui peuvent pointer sur différents endpoints. Donc, par exemple, un club va appeler PIX, va appeler Church, et ainsi de suite, et on va basculer de façon transparente au niveau des clients sur les différents endpoints. Ou l'autre solution, c'est de faire de la consommation encapsulée. On a une API un petit peu maître qui connaît les API qui sont en dessous au niveau de l'infra, et c'est elle qui va rerouter les requêtes. Donc, je ne sais pas trop quoi vous conseiller. On a testé les deux approches. Il y a du bon et du moins bon dans les deux. On a fait beaucoup d'encapsulés au début parce que ça permettait de factoriser certains fonctionnements, comme la sécurité, l'authentification, le login, etc. Et à la fin, on est plus allé sur de la consommation directe parce que l'encapsulation, un des gros problèmes, c'est qu'on se retrouvait à faire des proxys et du mapping de tous les côtés. Donc, il fallait réécrire les URL et ainsi de suite. Je suis un petit peu plus technique parce que la dernière fois qu'on a fait au forum PHP, on est allé moins dans le technique et on nous l'a un petit peu reproché. Donc. Voilà. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas de. C'est pas soit l'un soit l'autre, en fait, c'est que ça dépend. Idéalement, favoriser la consommation directe, ça permet d'avoir vraiment isolé qu'on est capable de la. Il n'y a pas de couplage finalement. Parce que ça, on veut dire, on fait un couplage ou pas entre les briques, hein, entre les services. Donc il y a des cas où ça va très bien, le service est suffisamment isolé fonctionnellement pour être attaqué en direct et autres, qui a plein d'avantages. Et il y a des fois, pour éviter une situation de webperf. Au final, les deux perfs, notamment encore plus sur le mobile, pour éviter 50 000 requêtes, tu es obligé d'avoir quelque chose qui te les consolide et qui est capable de faire ça, qui en plus est capable de porter aussi un peu de cache applicatif. On verra, on a vite arrêté cette approche-là. Voilà pour la com, il y a d'autres approches, il y a le WebSocket et ainsi de suite, mais nous, on est resté sur de l'API REST. Gestion d'erreur. J'étais jeune, naïf, et je me suis dit, il n'y aura pas d'erreur. Je suis toujours jeune et naïf, non, je suis un petit peu plus vieux et toujours naïf. Mais déjà, il faut accepter l'erreur. À partir du moment où vous êtes sur HTTP, tôt ou tard, ça va se viander. Que ce soit au niveau du DNS, du HTTPS, il va y avoir des erreurs. Donc, il faut vraiment l'accepter en tant que développeur et il faut aussi le mettre en place au niveau front et back. Le front, ça doit être important. Excusez-moi parce qu'on n'a pas vraiment mis en place partout, mais ça doit être important de se dire que les appels API vont foirer, vont peut-être pas répondre, et ça doit être géré au niveau de vos clients, aussi bien mobile que JS. Au niveau back, il faut aussi prendre en compte dans le sens où il faut avoir des mécanismes de replay ou de monitoring, traquer les erreurs et les rejouer un petit peu plus tard. Donc là, on reviendra un petit peu plus tard sur Iron.io, qui nous simplifie vachement la tâche. Mais il faut le garder à l'esprit que ça peut. Mais ce qui est vachement important, c'est que même dès la conception fonctionnelle, le fait de dire qu'il y a tel bruit, qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas, ça prend en compte, même avant de parler technique, par rapport à une dégradation, j'affiche pas, qu'est-ce qui se passe si ça ne répond pas, c'est à accepter, et ça en prendre en compte dès le début.
Sécurité, c'est un gros débat à partir du moment où vous exposez vos briques. Ce qui est pas mal, c'est déjà vous laissez tomber ce pseudo-sentiment de sécurité du côté où je monte pas le code, donc je peux mettre des trous un petit peu partout, ça se verra pas. Et un jour, peut-être ça se montrera. Là, vous êtes transparent. Nos applications front attaquent l'API, l'API est disponible, tout le monde peut s'amuser à bidouiller dessus, tout le monde peut essayer de trouver des trous. Donc déjà, vous montrez votre code. Vous avez plus ce côté-là. Donc on a fait des choix assez classiques. On a plutôt favorisé l'uniformité au niveau de la sécurité. On a mis du haut un petit peu partout. Quand je dis de l'uniformité, c'est qu'on a différentes couches de sécurité. On a la couche classique entre client et nos stacks, nos briques back. Et on a aussi la sécurité entre nos briques back. On a de la communication en interne sur le serveur entre les différentes briques. Et elles aussi doivent pouvoir discuter de façon sécurisée. Donc, O2 n'est pas adapté pour de la sécurité entre back-end. C'est très verbeux, ça augmente le risque d'échec pendant la couche de sécurité, donc c'est pas terrible. Il y a d'autres alternatives comme Hawk, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Ça fonctionne plutôt pas mal, ça permet de distribuer des clés de cryptage en amont, et après ça permet aux différentes briques de décrypter les paquets sans communication, sans Hawk en plus. Voilà, et puis classique, HTTPS de partout. Il faut quand même prendre en compte que HTTPS au niveau perf, ça a quand même un impact. On a augmenté le nombre de cycles de cryptage sur HTTPS, je crois qu'on est en 1024 maintenant, et donc il y a quand même un impact au niveau CPU. Donc c'est aussi à prendre en compte, et si vous le mettez en place, faites-le en amont et pas en aval. Nous, on l'a mis un petit peu tard en place et on s'est un petit peu mordu les doigts parce que des fois, les URL, c'est nos pivots dans nos bases de données, et ainsi de suite, et il faut repasser sur toute la data pour mettre du HTTPS partout. Quoi. Donc, ça ne coûte pas très cher, mais il faut le faire. Voilà pour la sécu. Le transactionnel, c'est un gros problème. Quand on est un petit peu dispatché partout, au niveau de la data, on a envie, des fois, de vouloir mapper une transaction. Donc, j'ai un process métier, on veut s'assurer qu'il s'exécute bien du début jusqu'à la fin, peu importe le nombre de participants dans le process. C'est très dur. C'est très dur de garantir la communication et le succès sur toute la stack. Donc nous, on ne le fait pas. On le garantit au sein d'une même brique. Donc on a des couches transactionnelles avec les mécanismes de lock, de transaction, des différents DB stores, mais seulement au sein d'un même service. On n'a aucune garantie de succès à partir du moment où vous transitez entre plusieurs services. On a des mécanismes de replay et ainsi de suite, mais on ne garantit pas le transactionnel là-dessus. Mais là encore, ça répondait à un moment, on a réussi, nous, à se faire à cette architecture-là en disant voilà, on n'a pas transactionnel cross-service, et finalement, on est capable d'accepter que certains, quand ça pose problème, de se poser la question qu'est-ce qui se passe et est-ce qu'on accepte l'erreur, c'est-à-dire qu'elle reste comme ça, parce qu'on n'a pas l'info et c'est un flux d'activité, c'est pas grave s'il en manque, ou alors ça en pose un problème et dans ce cas-là, tu rejoues, mais ça a un impact, ça aussi, dès la conception. Plus on évitera d'avoir besoin de ça, plus globalement l'architecture est capable de, quand un service coupe, qu'il est transactionnel ou pas, tu sais que tu es capable de. Ça ne va pas te poser la cohérence de data et tu es capable de réagir après un problème derrière. Donc la gestion d'erreur, c'est vraiment quelque chose qui est super structurant, qui est apparu, qui est super structurant au final sur même la conception de la brique au final. Monitoring, reporting. Vous l'avez compris, on est un petit peu dispatché sur plein de briques. Donc c'est important d'avoir un point central qui permet de faire remonter tous les logs. Sinon, on perd très vite, on n'a plus aucune visu sur notre stack. Je ne pense pas que c'est optimal, mais on utilise le provider Log and Trace. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Ça nous permet de streamer tous nos logs sur leur plateforme. Donc c'est un service externe. Et eux, ils ajoutent une logique, ça permet de mettre des tags, de matcher des expressions régulières, de les catégoriser, de lever des alertes et de faire du monitoring. Le but, c'était pas de mettre trop d'efforts dans cette stack-là pour pouvoir travailler sur d'autres choses. Donc, ça fait le travail, ça peut le faire. Il y a peut-être moyen d'optimiser, mais pour l'instant, ça nous convient. Quelques pratiques qu'on a mis en place pour garder de la visu sur les logs, c'est le request ID. À chaque requête HTTP, on va lui flaguer un ID unique. Donc il y a un UID, et ce UID va se transiter entre les briques. Donc si jamais votre brique va faire d'autres requêtes HTTP à d'autres briques, elle va reflaguer le même ID sur ses requêtes filles, et ça nous permet, nous, de suivre le cheminement des différentes requêtes quand il y a plusieurs briques qui sont attaquées. C'est
pas difficile à mettre en place. C'est assez simple et ça permet vraiment d'avoir une visue sur ce qui se passe. L'autre pratique, c'est les user agents. C'est une pratique aussi assez simple à mettre en place et c'est conseillé. C'est même sur vos briques internes, c'est de leur définir un user agent. Donc, par exemple, nous, c'est club/church1.0 et ainsi de suite. Et ça permet un petit peu de voir qui consomme qui au sein de votre stack. Ça permet aussi de délimiter est-ce que c'est un problème externe ou est-ce que c'est un problème interne. Donc on a eu quelques surprises des fois où il y avait un bug dans une des briques et de se rendre compte qu'il y avait un pic de consommation et on se rendait compte que c'était en interne et pas en externe. Ça permet de toujours garder plus de visu sur sa stack. Et vraiment tout basé sur les logs. Donc c'est important aussi d'avoir une formation sur les logs, sur les différents niveaux. C'est important aussi pour les développeurs de se dire c'est pas juste du log que je balance, quelle info je veux donner et quel niveau je veux donner à ces logs-là. Et puis c'est un peu vertueux parce que ça t'oblige dès le début à dire je veux au moins cracher des logs qui veulent dire quelque chose. Parce que tu te projettes pour les exploiter derrière et dès le début tu fais des logs qui veulent dire quelque chose. Ce qui fait que quand tu as un problème, tu peux te connecter sur la salle de voir les logs qui défilent. Tu as l'habitude de les voir, tu as l'habitude de manipuler et ils veulent dire quelque chose. Tu es capable de les exploiter même direct en mode peut-être sur le serveur et autres derrière. Donc, et c'est plus log que tu es capable de les streamer derrière et l'approche de. LogEntrice, dessus, on a même des métriques applicatives au final, parce qu'on se base sur LogEntrice pour dire, ben voilà, quand tu as un post de tel endpoint, telle ressource, c'est l'équivalent de quelqu'un qui a posté un média. Et on s'en sert pour bâtir des métriques applicatives. Il y a des dashboards et tout ça pour piloter. Ça nous a permis d'avoir ces premières visues, même si ça reste plus ou moins perfectible et on peut pas aller sinon que certaines ressources qui le font du stat D derrière. Mais l'avantage c'est que on avait nos logs, le suivi des erreurs, le push d'infos quand il y a des problèmes et en plus des informations de métriques applicatives qui nous permettaient de voir comment était consommé, comment vivait l'application. Performance. Oui, je comprends ça. Comment performance, pas dans le sens scalabilité, mais quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place dans ce genre d'architecture. C'est important au niveau back de rendre la main le plus vite possible au front. Théoriquement, on va avoir beaucoup d'appels sur les différentes briques, donc c'est important de faire le traitement minimal au niveau du back et dès que c'est fini, de renvoyer la réponse de 101 et ainsi de suite. Et tout ce qui n'est pas obligatoirement fait en synchrone, vous le faites en background. Vous le faites en back avec soit du queuing, c'est German en PHP, je ne dis pas de bêtises, soit il y a d'autres solutions, mais vous essayez vraiment de segmenter ça le plus rapidement possible. On est resté quand même sur un modèle très très simple sur l'asynchrone, je ne sais pas si on y revient après, mais je crois qu'on a une slide asynchrone. Ouais, je vais pas revenir dessus. C'est très difficile de faire du concurrent en PHP. Je pense que vous le savez, le langage n'est pas fait pour. Et c'est pour ça qu'on fait de l'async, du traitement en background. C'est parce qu'on arrive justement à ne pas faire du concurrent. Donc il faut l'accepter. Nous, on l'a accepté dans notre choix techno. On préférait pouvoir rapidement créer les briques, même si elles ne sont pas optimales, quitte à se dire peut-être un peu plus tard, on va reprendre nos briques, on va la réécrire. C'est ce que Xavier est en train de faire à l'heure actuelle sur une de nos briques, le provider. On est en train de la réécrire en Node. Parce que justement, on essaie de prendre une techno qui fit mieux aux besoins. Limiter les rebonds entre les services. Toujours problème de PHP, c'est très coûteux. Au niveau perf, on n'a pas un gros output au niveau des serveurs, donc on va éviter en interne de faire plus d'un rebond. Donc il y a une requête maîtresse, derrière on va rappeler un autre service et on va s'arrêter là. On ne va pas avoir une chaîne de cascade infinie. Et on essaye d'avoir une limite. Donc ça, c'est au niveau de la conception, c'est de trouver le juste milieu. Bah, surtout que, oui. Latence HTTP, ça prend un certain temps. Mais c'est surtout que dès que tu as de l'enchaînement de requêtes, tu as ça qui pose un gros problème, c'est que les services vont s'appeler entre eux, et au milieu, tu as la latence HTTP qui est incompressible. T'as beau faire des services qui répondent le plus vite possible, tu vas chaîner 3-4 appels, et ben tu vas rajouter systématiquement le même overhead de latence HTTP qui est loin d'être négligeable quand tu veux répondre le plus vite possible. Donc ça aussi c'est important de faire un minimum de requêtes, ou alors justement d'en envoyer un maximum en asynchrone derrière. Je vais reprendre la main. Alors la scalabilité, on n'a pas vraiment de feedback parce que le projet n'a pas atteint ces schémas où on a pu valider ça, mais par contre on se projette sur les schémas, on sait les actions qu'on va avoir à faire et on sait comment on va pouvoir adresser certaines problématiques.
Déjà, l'énorme avantage d'une type d'architecture-là, c'est sur l'isolation des différentes briques entre elles. Son isolation nous permet, même sur la stack infra, non, on n'a pas de slide sur les infra, là on est. Mais même sur la stack infra, on se retrouve à avoir quelque chose qui est isolé, qui peut avoir sa propre infra, son propre serveur dédié. Enfin, on est capable d'aller très loin sur l'isolation. Donc, rien que ça est un levier super important pour la scalabilité, voire même pour la disponibilité au final. Parce que vous savez que s'il y en a une qui est sollicitée, elle impactera peut-être l'applicatif, mais elle n'impactera pas les autres briques qui peuvent être qu'on veut facilement isoler et traiter à part. Au niveau de la scalabilité, en fonction de la brique et de ce qu'elle fait au final, on a les deux gros leviers de scaler horizontalement en rajoutant différents frontaux derrière, ou verticalement en gonflant finalement le serveur et l'instance qui distribue la chose. Et en fonction du besoin, il y a des services qui seront très bien faits pour être dupliqués et chardés, et d'autres où il faut plutôt gonfler les machines, et on a la souplesse de ça. Ensuite, quelque chose qu'on a mis en place et qui nous permet d'avoir un levier assez important, c'est qu'on a deux endpoints d'API complètement différents entre quand on est connecté, je suis authentifié, j'attaque les API en modification, et tout le fait que quand je navigue sur le site, j'attaque des API publiques qui, elles sont sur des endpoints différents. L'avantage de ça, c'est qu'on a une souplesse très forte pour gérer le cache. Parce qu'on a zéro cache applicatif là-dedans. Le seul cache qu'on a, c'est du cache HTTP, et nous permet de mettre des scénarios de cache très forts sur le côté lecture, et quand on est connecté, qu'on fait des modifications de données, justement, quand je modifie quelque chose ou que je partage quelque chose, comme j'attaque un API privé, je vois tout de suite le résultat. Par contre, ceux qui ne sont pas connectés la verront avec le cache derrière. On n'est pas obligé de gérer avec le décalage que tu peux avoir entre j'écris et je relis derrière, mais je n'ai pas la même politique de cache entre les deux, donc je ne vois pas ce que j'ai modifié ou ce que je viens de créer. Et ça nous permet d'avoir un levier assez important là-dessus. Vu qu'on n'a pas encore de volume très fort sur la partie authentifiée, ça reste quand même un levier qui est super important. Surtout que là-dessus, pour augmenter la capacité, il suffit d'augmenter le TTL final de Varnish qui est devant, qui sert le cache de ces API-là. Et ça reste très, très, très souple. L'autre levier qu'on a, en fait, c'est sur toute la couche asynchrone. Je crois que c'est le slide d'après. Pas mal de traitements se font par des workers, et ces workers ont un degré de nombre de workers qui tournent en parallèle pour traiter toutes les tâches, et on peut jouer aussi là-dessus. Quand une brique est sollicitée, on peut diminuer le nombre de workers qui tournent en même temps sur cette brique-là, qui nous permet de dire, s'il y a vraiment trop de monde, on diminue à un, et puis se chaîne tous après. S'il n'y a pas besoin d'être immédiat, le traitement n'est pas critique dans le côté immédiat, c'est un levier qui est relativement important pour pouvoir supporter la charge. Et au final, la scalabilité, il y a une autre scalabilité en fait qui est apparue, qui est venue naturellement, c'est même pas technique, c'est le côté la scalabilité humaine et projet en fait de ces briques-là. C'est qu'on est capable d'avoir déjà, grosso modo, d'avoir une team, d'avoir une équipe qui s'occupe d'un service. Et en plus, on est capable de s'occuper entièrement d'un service sans avoir la maîtrise complète de toute la stack qui est autour. Alors c'est important de connaître le contexte, surtout dans la conception, savoir ce qui se passe, mais quoi qu'il en soit, par rapport au dev, par rapport au test, par rapport à tout, on est obligé d'avoir tout projet qui tourne, qui peut être compliqué dans certains cas, qui peut être bloquant dans certains cas, qui après amène aussi beaucoup de trucs sur le côté des tests et la qualité et tout ça. L'asynchrone. Donc nous, toute notre gestion asynchrone, on l'a déléguée pareil parce qu'on ne voulait pas perdre du temps à remonter une stack en interne, même si on sait qu'à terme, il va peut-être falloir la remonter. Et on a traité ça avec un service tiers qui s'appelle Iron, qui est un service SaaS en fait, qui a trois composantes. Le côté MQ, IronMQ, qui est tout le message queuing, le côté worker, qui sont des workers qui tournent. En fait, on déploie le code chez eux et le code tourne dans leur infra, et on paye autant de compute, autant d'exécution des workers. Et on est capable de faire, je ne sais pas combien il y a de techno supporté, ça va de Node à Go, on est capable de leur envoyer le code qu'on veut. Ils supportent même le composer, tu peux même installer les dépendances et tout ça. Tu packages toi-même. Tu packages ton API avant de l'envoyer, donc tu peux avoir un composer. Tu peux avoir vraiment un truc complet, tu leur déploies, c'est eux qui l'exécutent. Ils ont un troisième, nous, qu'on n'a pas utilisé, qui s'appelle Iron Cache, qui est pour gérer du cache même, qui peut être exploité en direct, voire même qui peut être exploité par le couple pour construire des data hautes. Nous, on ne l'a pas exploité derrière. Mais rien que ces deux leviers nous ont permis de pouvoir mettre en place facilement toute cette architecture-là, sans avoir à soucier toute la partie infra, et surtout en ayant un niveau de monitoring et de fonctionnel qui est assez haut.
avoir l'auto-reply, avoir la visu, avoir tout ça, on l'a eu tout de suite d'entrée de jeu, qui nous a permis vraiment de pouvoir comprendre et analyser ce qui se passe derrière. Donc on a commencé, nous, à introduire ça plutôt avec les workers, c'est-à-dire qu'au début, quand on voulait paralléliser, on n'avait pas encore la couche de messaging, mais on créait des workers qui avaient des callbacks HTTP, en fait, qui rappelaient des URL pour faire les traitements derrière, qui étaient déjà de manière synchrone, qui permettaient juste, on disait, Bati, appelle-moi toutes ces URL-là avec ces data-là, et on rendait la main tout de suite derrière. Donc c'était la première approche. Après, très vite, on est venu à voir le canal de messaging, c'est-à-dire à stocker et à diffuser des messages, les différentes bits qui diffusaient des messages, et avoir les workers qui tournaient, qui étaient connectés sur cette couche messaging pour capter et traiter les messages qui étaient derrière. À un moment, on a mis en place aussi quelque chose, c'est que sur tous les API, on leur a fait générer, quand ils avaient des réponses 200, on leur a fait générer systématiquement des messages. C'est-à-dire que quand on répondait quelque chose, quand il y avait des actions qui étaient faites, on envoyait systématiquement un message avec toute la data qui était là, qui permettait de diffuser en disant « Tiens, j'ai fait ça », même si on ne l'exploitait pas tout de suite derrière, et qui nous a permis, sur un des fonctionnels, pratiquement, de pouvoir déployer un nouveau fonctionnel sans avoir à toucher quoi que ce soit dans le code. C'est qu'on a mis en place un fonctionnel qui était juste le traitement des activités, qu'est-ce qui se passait sur les sites, qui s'est juste connecté sur le messaging des différents points qu'il devait checker, qui avait un worker qui consolidait la data dans Firebase, et côté front, on affichait juste les data de Firebase derrière. Donc ça permet aussi, à un moment, sur des briques, de pouvoir accélérer la montée de services, où y a des fois, il y a des services qui ne sont pas des vraiment, qui sont juste, nous, au début, pour commencer par des workers. Parce qu'ils font une tâche, et ils sont pas attaqués directement, mais c'est pas des services en tant que tel. Alors, conclusion, ça c'est un peu les grands pans de l'architecture microservice en fait. Hein. On a vraiment une architecture qui est pensée composant. On voit un composant, il est autonome. Ce composant est orienté autour du métier, c'est-à-dire qu'il englobe une fonctionnalité complète derrière. Et au final, ce composant-là, on a limite plus une approche produit que projet. C'est-à-dire qu'il peut être traité en tant que produit en tant que tel. Avec un cycle produit, avec une philosophie produit, on a déjà abordé les approches Lean, et qui peut facilement peut-être déboucher à un vrai produit à terme, en tant que ça, c'est tout, parce qu'il fait quelque chose en tant que tel, et c'est vraiment quelque chose d'important. Bah, décentralisation de la gouvernance globale de l'application, mais aussi des data, parce qu'on se retrouve maintenant à avoir des data un peu éparpillées, qui posent bien des problèmes après quand on veut consolider ou autre derrière. Toute cette approche-là, on a vu, il n'y a pas non plus que, c'est pas non plus tout rose. On est confronté à des problématiques, notamment quand on grimpe dans les perfs, quand on veut capitaliser ou consolider la data, qui à un moment oblige à faire des choses qui sont pas des plus performantes. On rebuild rarement la data. Quand on a un nouveau fonctionnel ou on greffe un nouveau fonctionnel, c'est rare. Des fois, on va reprendre la data depuis le début et la reconstruire parce qu'elle est tellement dispatchée dans énormément de services qu'on assume le côté la vieille data n'a pas le nouveau fonctionnel. Et encore une fois, ça a un impact sur ton applicatif, parce que qu'est-ce qui va se passer quand tu vas traiter des vieilles data? Donc il faut que tu sois capable aussi de pouvoir gérer ce delta de structure et de data aussi. Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment prend en compte dès le début. Mais une fois qu'il est accepté, ça permet quand même d'aller assez vite et quand on sait le gérer, de pouvoir avancer assez rapidement. Un front automatisé, de toute façon, cette approche-là, si tu n'as pas une gestion de ta stack d'infra automatisée, ce n'est pas possible. Il faut être capable de builder, il faut être capable de séparer, donc il faut avoir industrialisé et avoir une stack de provisioning qui te permettent de pouvoir soit tout mettre sur une même instance ou soit de les décorréler pour les gérer de manière automatique. Tu as facilement à beaucoup de technos différentes, à beaucoup de services différents, et si tu n'es pas capable de les automatiser, ça va être problématique. Et le truc aussi important, c'est accepter l'erreur, enfin la gestion d'erreur. Et la gestion d'erreur, elle est très très tôt, même lors de la conception, et c'est vraiment quelque chose qui est super important. Je crois qu'en anglais, il l'appelle design for failure, c'est tu construis en disant que ça va planter, en pensant que ça va planter, en prévoyant que ça plante. Parce que ça plante toujours un moment ou un autre. Après, bon, ça c'est plus des petits retours en fait sur le truc. On a quand même un couplage assez fort finalement des applications, des services, parce qu'ils se mettent plusieurs applis consomment plusieurs services, donc on va surtout avoir du couplage. On va falloir, quand on a commencé à aborder le sujet du versionning,
notamment de toutes les applis mobiles qui n'ont pas le même rythme d'évolution et qui peuvent être beaucoup plus compliquées à mettre à jour parce qu'on ne maîtrise pas le parc qui est capable de consommer derrière. Donc, ça fait, c'est pas simple à gérer, faut le penser. Truc. Et puis, c'est bien la France derrière. On est quand même de bootstrapper rapidement fonctionnel. Bootstrapper rapidement et surtout sans polluer. Ça peut être une approche aussi qui est aussi par rapport à l'approche produit, une approche disant, je suis capable d'essayer quelque chose de nouveau, de le tester, et puis si ça ne marche pas ou si ça ne va pas, je suis capable de jeter complètement sans avoir pollué toute ma code base et sans avoir pollué les autres services derrière. Donc c'est aussi quelque chose qui permet d'essayer rapidement quelque chose. Après, industrialisation et refactoring douloureux. Dans la phase où on était là, où on a surtout dans la phase labo au début, quand on a testé les différentes briques d'authentification, là on a encore des vieilles briques qui se basent sur d'autres mécanismes. Le fait de dire à un moment, j'ai trouvé le bon moyen, il faut que je repasse partout pour le mettre à jour, c'est pas simple. C'est-à-dire, quand on se dit partout, c'est je repasse sur mes briques et je repasse sur tous mes clients pour être capable de modifier ça. Ça peut être aussi au niveau des pratiques HTTP. C'est plus ou moins sur ce projet que j'ai fait mon apprentissage de tout ce qui est API HTTP. Et il y a les pratiques qui évoluent. On commence à avoir de nouveaux HTTP codes et ainsi de suite, et on aimerait bien les mettre en pratique. Mais chaque fois, on est confronté au côté, c'est trop douloureux de repasser sur tous les services existants et de les mettre à jour, parce que ça implique aussi de mettre à jour les clients derrière les applications. Et c'est aussi pas optimal d'avoir deux modes de fonctionnement dans la même stack. Donc c'est difficile et frustrant des fois d'être dans cette situation-là. Bien sûr, c'est un levier assez fort et simple pour ouvrir des briques en tant que telles, parce que c'est isolé, l'effort à faire est de bien documenter, bien tester, et d'avoir ça, mais c'est beaucoup plus simple finalement de dire cette brique-là, qui n'est pas le cœur de mon métier ou autre, je peux l'ouvrir de manière assez simple, c'est quand même un point important. Ensuite, naturellement, on se retrouve à avoir des technos différentes et autres, le setup de l'environnement complet, voire même c'est compliqué parce que après il y a des outils, on était en train de regarder tout ce qui était Docker et tout ça pour automatiser, avoir ce setup d'environnement beaucoup plus souple. Mais surtout c'est le debug qui est compliqué. Surtout avoir beaucoup de trucs qui sont décentralisés, des appels HTTP, tu peux pas avoir des buggers sur toute ta stack. Enfin, ça complexifie le dev aussi en tant que tel naturellement. Encore c'est mitigé, autant pour le back c'est plutôt bien. Parce que quand on développe sur une brique, on est plus ou moins sandboxé dans notre brique et on s'en fout un petit peu de l'écosystème. Et par contre, pour les fronts, pour les applicatifs JS et mobiles, eux, ils sont obligés d'un petit peu d'attaquer sur toute la stack et leur environnement est beaucoup plus complexe à mettre en place. Donc nous, pour répondre à ça, on a notre nom de domaine qui est Wana Club et c'est notre environnement de staging et le développement souvent se fait en environnement de staging. Toff et Lignum n'avaient pas à un moment toute la stack métier sur leur poste parce que c'était trop long à maintenir, à déployer, et ainsi de suite. Quoi. Donc c'était plus simple d'avoir un voilà. Et puis voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Yep, on a un certain Tristan Bessoussa. quand tu parlais de log entries, apparemment ils sont capables de gérer directement du JSON plutôt que de lire des logs en texte. Est-ce que c'est des choses que vous avez utilisées? On l'a mis en place, ouais. Au début, on était sur le format classique des logs et on a passé tout en JSON. Le problème, c'est que c'était douloureux parce que on a nos logs Nginx et ainsi de suite qui sont en JSON. Par contre, on n'a pas encore tous les logs Symfony. Qui sont passés en JSON, même si c'est pas compliqué à faire, on a pas encore fait. Après, j'ai un problème aussi avec log entries qui est spécifique, il fait péter mon début de JSON, et donc il arrive bien à le parser, mais visuellement, ça rend pas comme un JSON. Et par contre, l'avantage, c'est que tu es capable de requêter après, d'avoir une donnée structurée côté log entries pour exploiter. Quand on est en JSON, on requête en règle. Quand on est en JSON, on peut requêter en égal, supérieur, ainsi de suite. L'avantage de log and track, c'est aussi qu'on n'avait pas géré les logs sur la fin. On laissait du log sur 24 heures et on savait que c'était streamé. On n'avait pas ces problèmes de rotation, de stockage, de machin. On était sur un côté très volatile. Donc on n'avait pas ces problématiques-là sur,
Ouais, surtout qu'après, de Logan to Rise, il te balance, il t'archive tout ça après sur de l'Amazon, sur du S3 derrière. Donc, tu sais que tu es capable non seulement, t'évites d'avoir trop de logs sur tes serveurs. Donc, ça te pose aussi pour le problème de sécu, voire même de place. Tu sais qu'ils sont là que 24 heures, tu fais tourner 24 heures. Et qu'en plus, vu qu'on se basait, nous, certains métriques métiers là-dessus, on était potentiellement capable de pouvoir régénérer a posteriori des vieux métriques s'ils étaient déjà présents. En réexploitant les logs derrière. Par contre, on perd toute la couche Logan Thrive. Logan Thrive, en gros, vous taguez vos lignes de logs. Quand vous attaquez leur API pour récupérer les logs, vous n'avez pas du tout accès à leur corps de métier. Quoi. Mmh. C'est un petit peu dommage. Parce que souvent, on a envie de réutiliser cette couche-là et on ne peut pas, on est obligé de reparser de notre côté pour refaire la même couche-là avec Logan Thrive. Bon, après, je sais que Logan Thrive, là, ils sont pas mal. Il y a eu un moment, c'était assez, assez plat niveau activité. Ils ont mis une petite couche. Pour voir est-ce qu'ils vont rouvrir et autres le cœur, mais nous c'est pas que c'est un service pour le prix, on paye combien, $60 ou un truc comme ça, enfin, un prix qui est relativement raisonnable par rapport au gain de temps et à la sérénité que ça nous donne, parce qu'on on pilote le projet par Logan Thrive. Mais je crois que côté là-haut, enfin, Diwan, il y a pratiquement tous les nouveaux projets passent là-dessus, et on est en train de les monter là-dessus, parce que c'est vrai que ça permet d'avoir c'est un pattern, qui est quand même assez sympa pour piloter finalement. Puis tu es capable de streamer, que ce soit des logs des NGX, nos logs applicatifs, des logs de Varnish et tout ça, tu es capable d'avoir tous ces logs-là à un moment corrélés en même temps quand il y a un problème, pour pouvoir les analyser sans avoir à se connecter sur un serveur, ou pouvoir faire du post-mortem aussi, éventuellement, si quand il y a eu un problème, s'ils ont pu streamer les logs, t'as quand même une affaire qui tombe derrière. Yes. Il nous parle aussi d'HTTP2, je ne sais pas si vous avez regardé, et comme quoi ça va permettre de diminuer la latence HTTP qui vous posait de problème et qui vous forçait à diminuer le nombre de sub-requests. Bah, de toute façon, ça après HTTP2 ou Speedy, qui a un peu évolué, enfin, c'est le protocole qui avait mis en place Google, c'est lui qui permet d'optimiser vraiment ça, mais quoi qu'il en soit, oui, si ça le diminue, mais ça c'est une bonne pratique d'éviter un nombre maximum de trucs à l'intérieur. On n'a pas été jusqu'à l'esprit de jouer la milliseconde ou d'aller trouver, on savait qu'on avait des leviers, comme ça, même pareil que pour la sécurité à l'intérieur des briques en elle-même, même la communication à un moment, peut-être qu'on aurait eu besoin, peut-être qu'on va avoir besoin, j'espère, de certains services qui dialoguent peut-être avec soit des WebSockets, soit autre chose que le protocole HTTP pour avoir un truc qui soit efficient et qui marche. Pour l'instant, la cohérence est quelque chose d'important. Et notamment toute la couche du HTTP est vraiment exploitée. Le HTTP, les codes d'HTTP, les verbes d'HTTP, nous, on a des codes, quand on a une 404, le front exploite des 404. Fonctionnellement, quand il a une 404, il sait qu'il doit faire ça. Quand il a une 301, ça déclenche du traitement de côté en disant il y a quelque chose qui a bougé. Donc on exploite aussi les codes d'HTTP pour faire du traitement fonctionnel derrière, qui évite d'avoir à faire des codes spécifiques de réponse, autant exploiter ceux d'HTTP. Comment vous avez géré les problématiques de versionnement entre les différentes API? D'accord, vous posez tout sur papier et dire ça. On est en V0 et puis on s'autorise à casser et à mettre à jour. Après, c'est un problème où on a commencé à être confronté avec le mobile. On n'avait plus vraiment la main pour mettre à jour les applications mobiles et il y avait des changements que je ne pouvais pas au niveau de l'API que je ne pouvais plus faire. Donc, on l'a réfléchi sur le papier. Il y a deux grandes politiques pour le versionning dans l'URL, au niveau du pass ou en header. Personnellement, je préfère la souplesse du versionning au niveau des ressources. Au niveau des headers, de se dire vraiment, c'est pas l'API globale qui change de version, c'est toujours dans le côté décentralisé, c'est une ressource qui va peut-être évoluer et l'impact est moindre et plus transparent. Donc on était plus allé dans cette approche-là. Quoi. Donc par défaut, taper sur la version, la dernière version stable, mais autoriser les différents clients. Après, l'avantage de ce pattern-là, c'est que quand on l'avait évoqué, parce qu'on est allé assez loin dans la réflexion sur ces problématiques-là, c'est de se dire, notamment les premiers besoins qu'on avait été par rapport à des problèmes sur le mobile, et de se dire, parce que là, nous, on a deux applicatifs, on met ça dans les headers, quelque part, c'est le Varnish qui est devant, qui redirige vers deux applicatifs différents. Du moment que ton data store derrière, tu es capable de garder cette cohérence-là, si c'est juste un problème de schéma et de structure, au final, des API, qui peuvent garder la cohérence métier ou le data store qui est cohérent, tu dis ton ancienne appli, tu la déploies sur deux applicatifs déployés et c'est ton Varnish qui redirige et qui fait ça derrière. On n'a pas la V1 et la V2 dans le même appli.
Ah ouais, non, c'est code source qui est géré au niveau contrôleur et qui reboot. Je pense que on déploie vraiment deux, les deux versions et c'est on, on veut éviter le fait d'avoir des ifs IV1, IV2 au niveau du code. Après, ça marche bien, donc il n'y a pas d'altération de données. S'il y a de l'altération de data, c'est un petit peu moins, moins facilement. Donc voilà pour les versions. Mais concrètement, on n'est pas monté jusque-là. On n'a pas eu non plus, même si on a tout API, on reste sur de l'API qu'on se met en interne. Il n'y a pas de client ou d'autres personnes en externe qui ont fait du dev ou du machin, donc on n'est pas, on n'est pas rentré vraiment dans ces problématiques-là. Mais c'est vrai qu'il y a des bonnes parties comme mettre la V1 tout de suite, commencer à versionner tout de suite et autres, pour que dès que tu ouvres et que tu as commencé par des trucs derrière, que tu saches, parce que le versionning c'est quelque chose qui bloque à la fois les consommateurs et qui bloque toi en tant que conception aussi, parce que ça reste un frein au final après. Ça peut être compliqué pour évoluer derrière. Et si tu casses derrière, tu peux frustrer et tu peux casser beaucoup de monde derrière. Mais ça t'oblige à avoir de la rigueur, ce qui peut être aussi un gros avantage. Enfin, après, c'est du pragmatisme. Qu'est-ce que tu fais, qui tu as, où est-ce que tu vas aller. Enfin, mais c'est quelque chose qui est assez important à avoir sur le coup quand tu commences, parce que si jamais ça t'arrive alors que tu ne l'as pas prévu, ça peut faire mal. Ça peut faire mal. S'il faut que tu le fasses en urgence en plus, ça peut être encore plus compliqué. Au niveau du cache, puisqu'apparemment vous avez en lecture et en écriture des mécanismes différents, le cache de lecture, il est régénéré sur un trigger, sur des nouvelles données, sur un montant de données modifiées. Il n'est pas invalidé manuellement, donc il n'y a pas de trigger. Déjà, la lecture, c'est souvent de l'agrégation de multi-ressources. Donc, c'est très dur à invalider. À partir du moment où tu commences à embed plusieurs ressources dans une même représentation, ça va être très dur à valider. Donc, on part du fait seulement à partir de X minutes, la représentation, ça arrive. Par contre, nous, on est sandboxé vraiment au niveau de l'utilisateur. Donc, chaque utilisateur a son API. Tant que tu es connecté sur ton API, tout ce qui touche à ton compte, il y a zéro cache. Toutes tes requêtes, etc. Par contre, si tu as commencé à redemander de récupérer les tweets, pour traduire, les tweets de telle personne, tu vas attaquer son API public et tu vas accepter un delta. Tu vas accepter un delta de temps. Donc, on a segmenté comme ça. De toute façon, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, mais informatique, il y a deux choses hyper compliquées, c'est nommer les choses sur la variable et invalider le cache. Si tu parles de la politique d'invalidation de cache, c'est donc évidemment tu prends un mur obligatoirement. On fait ni l'un ni l'autre. Mais l'invalidation de cache, tant qu'il est géré par du TTL, c'est l'invalidation métier qui est compliquée à faire. Parce que tu vas avoir quand tu sais qu'elle est gérée par du TTL et que tu admets encore une fois la possibilité d'avoir une erreur et d'un delta, quand tu es comme ça, tu es beaucoup plus serein. On a eu un gros débat là-dessus sur le côté est-ce qu'on a des ressources vraiment unitaires avec une opération de création, de suppression et d'édition, ou est-ce qu'on s'autorise à avoir des ressources un petit peu agrégées, par exemple l'utilisateur avec ses derniers tweets, ses derniers followers et ainsi de suite. Autant la première est très simple à valider parce que le trigger c'est sur une action, donc tu peux te permettre d'avoir des stratégies de cache qui invalident facilement. Autant la deuxième, dès que tu vas être en embed ressources, ça va être très très compliqué et tu vas plutôt avoir une stratégie globale de dire c'est à peu près frais et au bout d'un moment ça se régénère. Vous avez des mesures sur ce qui est réellement utile pour les caches, genre combien de requêtes cachées vous servez par rapport au nombre de requêtes pas cachées? On n'a pas des métriques aussi pointues dans le sens où tout ce qui est public, tout n'est pas caché sur la publique, même si on peut s'autoriser à cacher la chose. Pour l'instant, on n'a que les timelines, donc là où il y a les médias qui sont cachés, et toutes les autres ressources, même en public, on ne les cache pas à l'instant parce qu'on a passé de volume. Donc ça ne voudrait pas dire grand-chose, et après l'API privée, il y a zéro caché. C'est qu'on a privilégié aussi la cohérence des datas. Là, on sait qu'on a les leviers pour monter les TTL ou pas. Si jamais on se prend, on a du trafic, donc on sait qu'on a le levier. Et pour l'instant, même sur le public, on a privilégié quand même la cohérence en désactivant certaines parties du cache pour que tu puisses quand même, si tu as fait l'action et que tu vas voir le pendant, tu as quand même une notion de cohérence qui soit assez la next step dans le cache, c'est d'essayer toujours de ne pas avoir de cache quand c'est de la data qui te concerne toi. D'avoir un cache un petit peu illimité quand c'est de la data de personnes que tu connais pas. Par contre, là où c'est vraiment difficile, c'est quand tu es entre les deux, c'est la trace des caches sur tes followers directs. Par exemple, un de tes followers va partager quelque chose et va faire « Hey, regarde sur mon club ce que j'ai partagé. » Soit tu caches pas et dans ce cas-là, tu vas demander au niveau des pertes, soit tu vas cacher et dans ce cas-là, le gars il va faire « Maintenant, je vois pas ce que tu as partagé. » Donc ce cas de figure, on l'a pas traité. On est soit en no cache chez toi ou en full cache chez les autres, mais on n'est pas sur le côté mitigé sur ton réseau de followers. Encore une fois, ça répond pas à... C'est pas la solution miracle. Il y a des problématiques, il y a des trucs qu'il faut traiter, il faut savoir accepter sur l'application et sur son cycle.
pour pouvoir les mettre en place. Mais je pense, alors on l'a pas eu ça parce que nous on l'a conçu from scratch, mais je pense que ça doit être quand même vachement compliqué de migrer une application classique vers ce type d'affaire comme ça là, au final. On l'a réécrite, mais même sur une appli existante, dire je migre pan par pan, enfin, je pense que ça doit être une énergie, une cohérence qui doit être, ça doit être assez lourd. Je me projette assez mal sur ce schéma là, c'est que quand tu construis from scratch, c'est déjà assez douloureux comme ça. Donc sur une migration qui n'est pas une réécriture, je pense que ça doit être un petit peu plus complexe. Ouais, c'est douloureux parce qu'on n'a pas mis assez d'efforts sur tout ce qui est les frontières du microservice. Nous, on se focalisait sur le côté, on fait du fonctionnel, on fait des services, mais toutes les frontières, comment on gère les erreurs, l'authentification, le login, on les a traitées sur le tas. Et je pense qu'avec le recul, ça aurait été un truc qu'on aurait dû mettre beaucoup plus d'efforts en amont. Oui, mais on n'aurait pas trouvé les bons. Ce qui est, on les traitait sur le tas, on les a traités avec du vrai retour, avec du vrai besoin. On aurait été incapable de penser ce qu'on a fait là avant de commencer à le faire. Enfin, c'est encore une fois, ben, c'est pas, il n'y a pas de boisson miracle. Il n'y a pas de boisson miracle. Ok. Bon. Merci. Merci. Ben, merci à vous deux. Donc, on follow les deux sur Twitter, bien entendu. Avec le petit œuf vert. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un Hello Talk avec sans doute Johan Dufour, qui nous parlera de WebGL et de tout ce qu'on peut faire en 3D dans son navigateur, ce qui va être assez marrant, un peu axé autour du jeu. Enfin, voilà, on verra. Non, j'ai pas demandé, mais la semaine dernière non plus, j'avais pas demandé. Mais du coup, bon, allez, question surprise, qui c'est que tu veux voir pour un prochain Hello Talk? Oh, j'aimerais bien voir Flo avec la stack et là-haut. Ah bon, c'est Johan Dufour pourtant. Ouais, mais c'est pas la prochaine fois, la fois d'après. D'accord. Ok, donc Flo, t'es réservé. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine. J'aimerais voir tout le monde en fait. Tout le monde est réservé. On se fait un show avec tout le monde en même temps. Voilà. Et là-haut, famille. Le gros talk, et on compte sur vous, comme ils disent quand ils sont plein sur la même scène. Et des bisous, ciao, ciao. C'est ce qui est une idée marrante, n'empêche. C'est faire un talk avec tout là-haut. J'aimerais quand même eu un spectateur, on dirait, de la côte atlantique américaine. Quand même. C'est un achievement, je pense. Ok, hein. Qui se balade toujours avec son arbre. Qui a du wifi sur la plage, ça m'intéresse. Oui, j'ai mon frère qui vit au Kivu, Pérou, au Pérou, et là-bas, j'ai même mon beau-frère qui est en Tunisie, qui bosse là-bas, et ils ont pas d'infrastructure ADSL et autres, tout est en 3G, il a une box chez lui, la box, une clé 3G,